Je vous laisse faire la réponse. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. Pour ce qui concerne la bombe, je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche la planche, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait cinq ou sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et un soir, pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche la planche, j'y retourne immédiatement. De ce que sa cagnotte est aussi petite. Et sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, il n'est plus rien resté. Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu en mon âme et conscience qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia.